Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Stéphane pour ton super stank songs. Je crois que c'est un truc comme ça. Stéphane, ouais. Du Canada. Et Philippe, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et dans cette vidéo, réveil au geyser Sol de Manana. Alors pourquoi réveil? Parce que ce qui paraît, faut y aller entre 5 et 7 heures du matin pour voir vraiment le truc au meilleur moment de la journée. Là, c'est parce plus à ce qui paraît, on peut le confirmer maintenant. Ouais, parce qu'en fait, comme il fait froid, et ben les fumerolles, on les voit beaucoup mieux et c'est plus impressionnant. Et avant 6 heures, on est tout seul. C'est surtout pour ça aussi. Aussi. Vous allez voir. Ensuite, vous allez voir, je ne sais pas si vous connaissez, le Kinder japonais. Vous allez voir ça dans la vidéo. Il n'y a que chez l'XTG qu'on voit ça. Hein. Et vous verrez que le pauvre Alex, il a perdu une dent au geyser. À 5000 mètres. Et les geysers, on a failli y rester aussi. Vous allez voir ça dans la vidéo, j'en dis pas plus. Et ensuite, la tuile de fin. La tuile de fin, ouais, effectivement, la tuile de fin. Donc, on vous laisse. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Téléphone parce qu'il fait nuit, attention. Waouh! Il est 5h30 du matin. Regardez, on est tout seul. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Je vais essayer d'aller accrocher une GoPro pour faire un timelapse et boire un thé à la coca. Bon, allez, je vais essayer de trouver un emplacement. En tout cas, regardez la lune. On a super bien dormi. Il fait 2 degrés là. On m'a dit descendre à 0 peut-être, on va dire, j'en sais rien. Bon, ça pue le soufre, c'est un truc de fou. Je vais l'accrocher. Je sais pas trop. Bon, allez, je vais regarder ça. Là, ça fait une seconde que je viens de couper. Il y a des phares qui arrivent. Ça y est, les gens arrivent. Putain. Photo tout de suite. Bon, j'ai mis la GoPro. Ça y est, ça arrive. Une là, deux là-bas. Il est à peine 6 heures. On aura eu au moins un petit peu de temps pour nous tout seuls, ça. Par contre, fais gaffe la nuit. Il y a des trous. Fais gaffe où on marche, quoi. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Tout seul. Ah, presque. Le son qui sort, c'est impressionnant. Ah, on voit là-bas avec la voiture qui est garée.
On n'est pas tranquille longtemps en vrai. Hein. Non mais regardez ça. L'autoroute à Land Cruiser. Ouais, tout le monde vient pour le lever de soleil en fait. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais celui-là, comment il monte haut là. Ça y est, tout le monde arrive. Bon, je vous ai mis la GoPro ici sur le panneau pour filmer le lever de soleil et les gens qui tournent autour. Bon, en tout cas, c'est super beau. C'est un peu la même chose qu'hier en vrai. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus de fumée. Alors, oui, il y a moins de vent. Du coup, elle monte plus haut. Mais. Là, on voit moins les choses. Hier, on voyait très bien les bouillonnements. Là, tu vas rien voir. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, pourquoi on est resté? Parce que vous pensez que ça allait être waouh finalement Non, si, c'est waouh, waouh, mais c'est comme hier, sauf qu'il y a moins de vent et que les fumées montent et là, elles se dispersent moins, quoi. Tu vois que la fumée, quoi. Ouais. De toute façon, on va pas partir de nuit dans tous les cas. Oh. Po, 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 po. Ouais, c'est ouf. Bon, bah, ça y est, c'est plein. C'est un truc de ouf, en vrai. Putain. Bon, moi j'ai bien dormi, Marie est beaucoup moins, elle s'est réveillée toutes les heures. Là je commence à avoir un peu mal à la tête par contre. C'est la clope du matin à 5000, elle fait mal. Ils ont pas vu le panneau qu'il fallait rester pas plus d'une demi-heure dans les fumées. Personne ne lit le panneau. Personne ne lit le panneau parce qu'il est mal foutu, il est tout là-bas. Mais par contre hier il y avait une jeune qui était pas bien. Et là, il y en avait une tout à l'heure qui était assise là, et pareil, elle était pas bien. Ah bah. Elle est toujours assise là-bas. Non, c'est pas elle. Non. Non, non. Ouais. L'altitude, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai pas bien dormi. C'est ce que je disais, ouais. J'ai pas mal au crâne. Moi, en fait, ça commence. J'arrête pas de me réveiller. Et avec. Tu sais, je forçais un peu pour respirer, mais sans ça, j'étais bien, mais j'arrêtais pas de me réveiller. Et Alex, hier, il faisait un peu peur. Ouais, il était chaud. Là, il se réveillait. Il était presque prêt à venir avec nous. Ouais. Et puis finalement, il est au chaud. Degrés, il a dit non, je reste dans le... Ah, c'est beau quand même, hein. Franchement. On a eu de la chance d'être tout seul hier et on a eu de la chance d'être tout seul ce matin par contre. Parce que là, c'est vraiment. Bah après, c'est ça qu'ils disent que ça monte à 50 mètres. Ah ouais? C'est de la fumée quoi. Oui, oui, il n'y a pas de geyser. Ils disent fumée et eau, mais en réalité, l'eau elle dépasse pas un mètre quoi. Elle saute c'est clair. Au maxi. C'est clair. Non, mais c'est beau quand même. On verra ce que ça donne avec la GoPro là sur le panneau. Oh, ça y est, ça commence à partir. Il fait moins 0,7 alors que le soleil s'est levé. J'ai mal au crâne, j'ai pris un cachet, j'ai fait du drone. On a toujours la GoPro qui filme là-bas. Et toujours les bidons. Bidon, 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 bidon. On va faire la même nous là, faut qu'on mette du gasoil. Il est quelle heure? Il est 7h. Hey, il est de bonne heure quand même en vrai. Hein. Allez, le dernier guide, il est parti. On est tout seul. Très gentil guide. Il m'a averti qu'on avait un Kinder japonais sur la roue avant gauche. Alors on va aller voir ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est un Kinder japonais? C'est la surprise. Il y a une japonaise qui nous a laissé son Kinder. Regardez. Non mais sans rire. Sans rire. En tout cas, tu vas avoir mal au ventre avec l'altitude. Non mais la meuf, elle a chié au pied du camion. Et en plus, c'est son papier quoi. Enfin, au moins, je sais pas, le brûler, quelque chose. Comme on disait avec le guide, là, il y a quelqu'un qui arrive à croire que c'est nous quoi. Nous, on a des chiottes, mais... Non mais, c'est un truc de malade quoi. Je savais pas que les japonais, c'était dégueulasse comme ça. Hein. En tout cas, elle avait mal au ventre. Hein. Ah là 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 là, c'est un truc de fou. Bah je vais sauter. Je vais sauter par-dessus. C'est un truc de fou quoi. Allez, on va vous prendre quelques petits sons. Parce qu'il n'y a pas de vent. On a bien filmé, mais avec le vent, je sais pas si on entend les bruits de blou-blou-blou. Donc on va aller filmer. On va aller faire des prises de son. Allez, petite dose d'oxygène pour moi et Alicia. Alicia, ouais, ça y est, elle est bonne là, 100, si tu peux éteindre. Elle est toujours faiblarde, elle ouais. Est toujours entre 70 et 70. Ouais, mais dès qu'elle prend une dose, elle c'est monte direct, à 100. Ouais. Direct. Bon, en tout cas, je peux vous dire que le Vebasto, à 5000, il marche. Attends,
Ouais, sauf qu'on a laissé la porte ouverte. Et il fait 14 dans le camion. Mais on savait qu'il marchait parce qu'on était monté il y a 2 ans à 5400 mètres. Donc on savait que ça fonctionnait. Mais voilà, le Webasto Evo 4000 avec le petit programmateur digital, il monte à 5500 mètres d'altitude. Donc il est donné pour 5500 mètres d'altitude. Donc voilà, on a fait du drone. Il y a la GoPro qui filme encore. Il y a du monde encore ? Une voiture, impeccable. La GoPro, elle est encore sur le panneau là-bas. I hear you breathe, but I can't see. If you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano and make me feel outrageous. You keep teasing me, but you're nothing without me. Running fast, never look back. Now we're over, that's a fact. Phrasing light, see it all bright. You were never right. Back to life, apologize. Too soon to say I'm fine. Too soon to say I'm fine. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano and make me feel outrageous. You keep teasing me, but you're nothing without me. Like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us. On est à 5000 mètres, 0 degré. On va voir si le camion arrive à démarrer. C'est beau les geysers. Hein, enfin, alors, je sais pas si on appelle ça vraiment geyser, parce que là, c'est surtout de la fumée et de la boue qui bouillonne. Allez, deuxième essai. Il a froid le pauvre. On va faire concurrence au geyser là. La fumée qui sort du bas, c'est normal, hein, c'est la jonction du pot d'échappement fixe avec la partie mobile. On va aller faire quelques photos du camion avec les geysers dans le fond. Ouais,
Ouais, ça y est, ça le fait. Alors, il a froid, Pépère, hein? Et ça y est, c'est bon, là. On va laisser se réchauffer avant de le bouger. C'est quoi, j'ai mon ombre. On est sur un drame. Alex a croqué dans son pain au chocolat et il a perdu sa dent. Donc tu l'as avalé ou tu l'as craché? Tu sais pas? Attends, je vais te donner un mouchoir. La petite souris, elle va passer. Mais je ne sais pas où il va aller. Tiens. Elle est là, j'ai trouvé ta dent, regarde. Voilà ta petite Chico. Il vient de perdre sa dent, il a croqué dans son chocolat. Là, j'ai cru qu'il était tombé dans le pot. Pauvre chou. Merde, j'ai été dans un endroit un peu mou, on dirait. Et là, le pneu, il va fondre. Et j'ai cru que j'allais rester bloqué. J'ai créé un nouveau geyser. Oh la vache! Wow. Eh, on aurait été enterré là? On aurait été bien! Pourtant, c'est la route là! Hein. Le geyser d'XTG Family, il est là! Grave! Et les gens, ils arrivent de là, ils passent là! Là, on va dire, et moi je suis passé là. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Je t'ai dit de pas venir là. Ça m'énerve, que t'écoutes jamais en fait. S'en fout, on a créé un geyser. Bon, bah là, maintenant tu le rebouches. Hein. T'es malade. Il se rebouche tout seul, regarde. Si, on peut remettre les mottes comme ça au pied, là, vite fait, pour histoire de dire. Bon, en tout cas, voilà, on s'en va. Oh Alex, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu sa dent, c'était le drame. Oh, trop bien! Il a perdu sa dent au geyser. Mais grave! Tu vois? Il a croqué dans le chocolat, c'est pour ça que c'est tout dégueulasse. Mais vas-y, fais voir ta petite queue, ça y est, ça saigne plus. C'est laquelle? Ah, excellent! Tu l'as retrouvée? Je l'ai retrouvée, ouais. Alex, est-ce que tu veux pas jeter ta dent dans un geyser? En souvenir? Sérieux? Ouais, ah, moi je l'aurais peut-être fait, moi. Peut-être. Ouais. Ah, je l'aurais peut-être jeté. Bah, comme tu veux, tu choisis. Bon allez, on va reboucher 2-3. On va repousser les mottes là qui est au bord là. Bon, en tout cas c'était super. Bah, parce qu'on s'est pas planté quoi. Alicia, t'avais soif? Bah j'étais en train de pencher la gourde au fur et à mesure, sauf que c'est, bah, c'est congelé. C'est un glaçon, bien. Ouvre. Elle était dans la cabine. Nous, elle était, oh, elle est... Ah, il y a un énorme glaçon en fait. Bah, elle a congelé. Pour vous dire, il a fait froid. Hein. Ah, oh, j'ai même pas ouvert, c'est... voir les... Cool, les filtres à eau. Bon, ils sont un peu protégés, mais finalement, non, puisque la gourde, elle a gelé. J'espère que les bocaux, ils ont pas pété. Bah, déjà, les tuyaux, ils sont gelés. Ouais, il y a plein de glace. Ah, bah, on voit là. On voit les raccords Gardena. J'ai débranché hier rapidos, les bocaux ça a l'air d'aller. Les purges sont pas gelées. Robinet. On sait pas trop où on voit la stalactite. Moi de toute façon, je laisse comme ça en vrac. Et ça va, avec la chaleur du moteur, tout va dégeler là-dedans. On va foutre ça comme ça. Hop. Tac. Il y avait un commentaire à Evlander. Les gens, ils ont dormi ici où on a dormi. Alors nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'on est refroidi par air. Mais les gens, ils disaient que leur liquide de refroidissement, il avait gelé. C'est un coup à flinguer le moteur. Hein. Elle fait une culasse ou un truc comme ça. Nous, on se pose pas de questions parce qu'on n'a pas d'eau dans le moteur. Mais ouais, faut faire attention parce que ça descend assez fort, quoi. Allez, ça y est, on s'en va. On laisse notre création. On a remblayé là. Notre geyser XTG. Allez, 8h30, on quitte les geysers. Oui, 8h30, c'est vrai, on s'est levé pour une fois. Donc, commencez pas à me dire qu'on a fait un trou dans le sol. Hein.
Parce que la japonaise, elle a assez sa mère avec son papier. Bon, le trou, c'était pas voulu. N'empêche que t'aurais dû réfléchir qu'il fallait pas s'approcher autant. Non, parce que j'ai des belles photos du coup. Allez, on est parti pour un petit 40 km, je crois. 40 km. Avec un dénivelé de quasi 1000 mètres. En négatif. Ça va faire du bien. 800 mètres. Ouais, quasi 1000, je crois. Refait le petit geyser du début, enfin le petit. Je pense que c'est un des plus puissants en termes de sortie de gaz. Et comme il fait froid ce matin, eh ben on voit bien bien la fumée. C'est assourdissant le bruit. Du coup, on n'a pas été voir là, on s'est arrêté, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il y a au niveau de cela. Hier, on les avait pas vus parce qu'il n'y avait pas de fumée. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu voir en dehors de moi et des lamas. Je vois pas de traces de pieds ici. Le sol est assez mou. Regardez tous les cristaux qui se forment. Cristaux de soufre et une sorte de sel, je pense. C'est joli, hein ? Bon allez, je retourne au camion parce que mine de rien, marcher ça à 5000, ça crève. On part en direction de la Laguna Colorada. Et il y a peut-être un petit village sur le passage qu'on va aller visiter. On a crevé. Tu peux avancer encore, ouais. Mets-toi à plat si possible. Ouais. 4850 mètres. 4850 mètres, tu vas t'amuser à changer de pneu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.